Et yo les gars, c'est CreateNat. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de ma ville. Donc déjà je tiens à dire qu'il y a beaucoup de tutos, mais il n'y en a pas tellement que ça, la plupart des choses je l'ai inventé. Je tiens surtout à dire que ça c'est pas ma ville principale, j'en ai une autre que je suis en train de faire en cours, mais je vous ferai la présentation de mon autre ville quand elle sera plus avancée. Donc on va commencer tout de suite sans plus tarder. Donc là, c'est la première chose que j'ai fait dans ma ville, c'est une fontaine. Au départ, je voulais faire un rond-point, mais je savais pas vraiment comment faire en fait. Donc j'ai transformé en parc. Donc là, on a un petit jeu pour monter dans une cabane. Donc voilà, tu peux te balader autour de la fontaine, un petit bac à sable et d'autres jeux. Donc on a une grande route un petit peu petite, c'est que de 3 comme vous pouvez le voir. On voit rien avec le béton noir, mais je m'en fous. On a 4 de trottoirs et des petits lampadaires. Donc là, j'avais essayé de faire des bâtiments de centre-ville. Je sais pas, là, c'est, vous savez, en haut, il y a un peu des habitations et en dessous, il y a des commerces ou quoi. Donc là, c'était un petit bar. Donc là, on a la cuisine, quoi. Et là, on a les tables. Là, on monte. Enfin, on passe là. Là, c'est les toilettes, c'est pas du tout intéressant. Tout le monde s'en fout. Hop, et là, c'est des studios. Donc là, un studio, ça ressemble à ça. Mais en fait, ça, c'est mon pote. Il a acheté ce studio. Il en a fait son setup gaming. Et il a acheté l'autre. Donc, il a cassé le mur. Et pour se faire un canapé avec une télé. Donc voilà. On va passer à l'autre. À l'autre bâtiment. Donc voilà. On laisse les portes ouvertes. On s'en fout. Donc voilà, là c'est une petite épicerie un peu. Donc voilà, des animaux, des œufs d'animaux. Là on a de la bouffe et je sais pas, de la bouffe pour les animaux là. Et donc là on a encore des studios comme vous pouvez le voir, on monte. Là c'était moi qui avais fait mon studio avec mon setup. Et là celui-là il est toujours à vendre. Donc voilà. On ferme la porte, on ferme la porte, et voilà. Donc là, on continue la poste. Alors ça, c'est un tuto. Donc voilà, je vais pas vous présenter l'intérieur, ça sert à rien. Là, mairie. Donc en fait, ça c'est une mairie. J'ai pris une image sur Google et j'ai essayé de la représenter sur Minecraft. Personnellement, je la trouve belle. Je sais pas comment vous la trouvez vous, mais je la trouve belle. Donc là, on continue la route. Et là, ça c'est très beau. En fait, avec mes potes, on a été trop à construire cette ville. Moi et mes deux potes. Et là, il y avait un de mes potes qui a construit une montagne. Donc là, on voulait faire des montagnes et tout. Donc ça, c'est lui qui a fait. Moi, j'ai fait le chemin et ça. Mais lui, il a fait tout ça là. Donc, en vrai, je les trouve trop beaux. Donc il y avait des petites grottes aussi, je crois. Je sais plus. Ouais, là, par exemple, il y avait une petite grotte. Comme vous pouvez le voir. Donc on monte. Là on avait un petit refuge. Les refuges sont assez près, mais voilà. Donc là on avait vraiment pas terminé. On continue le chemin, il y avait un autre refuge. Et là il y en a encore un là. Et là en fait c'est mon pote qui avait essayé de faire une grande montagne là qui descendrait jusqu'au sol, comme vous pouvez le voir comme ça là. Et là ça redescendrait au sol. Donc il a appelé cette montagne le Mont Perdu. Donc comme vous pouvez le voir ici là. On monte, il y a des petites barrières pour pas tomber. Là, on a une croix avec une petite fleur ici. Et là, si on veut, on peut descendre et il y a plein de fleurs. Donc voilà, ça, j'y trouve très très beau en vrai. On a beaucoup travaillé dessus. On a pris vraiment longtemps. Donc après, on va vous présenter le quartier des villas en dernier, je pense. Là, on va passer au McDo qui est juste ici. Donc là, on a déjà un grand parking, comme vous pouvez le voir. Là, on a des tables. Donc voilà, une petite terrasse. On entre. Là, on a un petit canapé sur la droite pour attendre ses commandes. Là, on a toutes les tout ce qui est cuisine et tout. Donc ça, ces personnages, on les a avec des commandes. Donc là, c'est les bornes où tu commandes tes tables. Et voilà. On ferme la porte. On va là. Là, c'était un immeuble que j'avais essayé de faire. Il y a 8 appartements. Là, 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 là et tout. Mais bon, je trouve pas très beau. Alors là, c'est un chantier. Là, c'est un petit immeuble en construction. Donc, comme vous pouvez le voir, la pelleteuse. Là, c'est un conteneur un peu où il y a
l'architecte. Donc voilà, la route est barrée parce qu'il y a lui qui fait la route. Donc c'est barré là et tout. Là, j'avais essayé de faire des petites maisons de campagne en fait. Donc il y en a 4. Elle est un peu plus grande que les autres. C'est normal. Donc voilà, là on a un grand champ de blé, une petite rivière que je trouve très belle en vrai. Là ça fait un peu jungle, j'aime bien. Je sais pas pourquoi il y a un perroquet dans un parc ici. Là on a des moutons. Je vais juste remettre le jour. Voilà, moment, jour. Ouais, pas grave. Donc là, sur notre droite, on a un centre équestre. Alors comme vous pouvez le voir ici, là, c'était un endroit pour la vitesse des chevaux. Là, c'est les box. Ça s'appelle comme ça. Là, il y a les chevaux. Là, il y a les équipements. Là, c'était l'endroit pour tenter les sauts des chevaux. Donc, on a tous deux chevaux. Donc, il y a 6 trucs. Et il y en a un qui va super vite, un qui saute haut. Donc, on va mettre le jour. Donc, ça, c'est à moi. Et ça, c'est à moi. Donc, voilà. On va là. Là, non, au pire, je vais vous présenter ça. Donc, en vrai, ce bâtiment que je vais vous présenter, là, je trouve pas super beau. Mais à l'intérieur, j'aime bien. En fait, ça, c'est une piscine. Je vous avoue, l'extérieur est éclaté au sol. Mais bon, ça, je sais pas trop ce que c'est. Je crois que c'est un panneau d'affichage. Donc là, il y a les tickets. Donc, avec le petit accueil. On a les cabines pour se changer. On a les douches. On a les casiers. Juste ici, voilà, désolé. Ici, on a un moyen bain, des petits transats. Là, je sais pas pourquoi c'est écrit haut. Là, c'est la pataugeoire. Encore des transats. Et là, c'est une grande piscine. Il y a des cloches parce que là, on saute, on plonge. Et le premier qui sonne la cloche a gagné. Donc voilà. On va ressortir. Là, je vais vous présenter la partie un peu entreprise et tout. Donc là, c'était une entreprise de menuiserie que j'avais fait. Je la trouve très belle en vrai. Donc là, une petite boîte aux lettres. Hop. Et là, c'est pas mon chien, non. Là, il y avait un camion où tu ressortais derrière. Là, il y a du bois là. Là, ok. Il y a du bois dans les coffres. Donc là, vraiment, c'était blindé de bois à l'intérieur. Logique. Une usine redstone que mon pote avait fait. Donc là, c'est une torche de redstone. Je sais pas si vous trouvez qu'elle est bien faite. Moi, je la trouve belle. Donc voilà, c'est blindé de redstone à l'intérieur. Et là, c'était mon autre pote qui avait fait un magasin de un magasin de montagne. Donc là, il y avait une petite tente, la meilleure tenue proposée. Là, c'était des sacs, des feux de détresse. Donc voilà. Juste, je tiens à dire que mes potes ont une chaîne, donc mon pote qui a créé ce magasin, sa chaîne c'est Sovvive, S-O-V-V-I-V-E, et mon pote qui a créé cette chaîne, cette entreprise, il a une chaîne, mais il a pas encore fait de vidéo, donc voilà. Là, on va tourner, et bah là, c'est la dernière chose que je vais vous présenter, c'est le quartier des villas. Alors, donc voilà, on avance, on tourne. Donc là, c'est la première villa. C'est un tuto. Donc avant, c'était ma maison, mais je l'ai vendue. Maintenant, j'habite à la campagne. Donc là, j'avais des ânes, j'ai oublié d'enlever l'abri. Donc là, il y avait une petite fontaine. Hop, je vais pas vous présenter l'intérieur, je pense pas que ça vous intéresse trop. On a une grande piscine, une grande terrasse, et là on a un grand truc en vitre avec des escaliers, et ça, je trouve que ça rend tout le charme à la maison. Donc là, c'est la maison de mon pote, donc celui qui a pas encore vraiment de chaîne, donc voilà. Et là, maison de notre pote, donc il m'avait recopié pour ça, mais en fait il avait la flemme d'aménager sa maison, donc il avait juste fait un aquarium, et ça je sais pas trop ce que c'est. Donc voilà. Je crois qu'on a terminé pour la vidéo. J'ai plus d'œil. D'accord. J'ai plus mes yeux. Donc voilà. Pensez à vous abonner, à liker et à commenter, ça me ferait super plaisir. Ciao!